bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Book of War. Je suis désolé, j'ai complètement oublié de relancer la VOD, donc vous avez raté un petit bout de journée. On a lu des livres en gros, et appris quelques leçons, et on a notre visiteur de la nouvelle saison qui est venu. Et je l'ai payé pour m'apprendre le fameux Eric Apaeran, là. Eric Apaeran. Un langage élégant mais que personne n'arrive à prononcer, n'est-ce pas? Il est élégant dans la forme de ses lettres, j'imagine, mais n'arrive pas à prononcer. Ça veut pas dire que tu arrives à prononcer le nom plus facilement. Hein. L'élaboration de sensations et d'état d'esprit trop subtil pour être prononcé par des langues normales. Ok. Alors, les mecs, ils se sentent pas pissés, quoi, encore une fois. Du coup, on n'a pas progressé dans notre affaire du ver qui a pris la main dans la maison. Hein. Et là, on va travailler pour le reste de la nuit. Et demain, je pense qu'on essaiera d'ouvrir quelques salles, hein, peut-être. Alors, on a pas mal de livres sur lesquels on peut travailler, mais il faut qu'on progresse. Donc, on essaiera de voir dans la taverne s'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous aider sur Scale ou Nectar. Là c'est bon, celui-là c'est un tout neuf, donc on va la prendre gratos. Là on a du 8 de Heart qui est totalement faisable. On a un 9 de Lanterne qui est atteignable je pense. 9 de Moon, c'est Winter ou c'est Moon le mec? C'est Winter je crois. Moon on a personne en Moon. Nock, Lanterne, Edge, Forge. Ouais c'est ça, c'est Winter. Et Earth, elle est à 1 Mrs. Sky, elle a remonté à 9, c'est sûrement possible. 10 en Grail. 10 en Grail, ça se fait, je pense. Hein. On garde le souvenir de type Grail, ça fait 2. On a Ereb qui a 4 de Grail, ça fait déjà 6, plus C2, ça fait 8. On lui file un chocolat ou une connerie du style, là. Ouais, carrément. Ouais, ça se fait carrément, ça. Ok, on va faire ça. Donc, on va prendre Mrs. Kyle pour le 10 de Grail, et on va essayer de voir si on peut embaucher quelqu'un, là. Et on avait dit que j'aimerais bien monter là, aussi. On peut peut-être viser le 10 de Winter, aussi. 10 de Winter, il commence à 2, notre ami. Et nous, on a, avec... Whist, 3... Donc 5 avec un souvenir, plus de 7. On est un peu juste, mais on lui file une boisson et un bout de bois. Alors est-ce qu'on a des boissons à 2? Ça c'est la question. Ça c'est le type Winter, mais c'est un seul. Oula, on se calme. Donc tu peux clignoter de manière un peu plus tranquille ou pas? C'est quoi ce truc? Des mushroom pickles, ok. Alors ça, je crois qu'on peut pas lui donner. Hein. C'est un beverage. Hein. Ah, peut-être. Peut-être qu'on pourrait lui donner ça pour avoir un boost en Winter. Ça, c'est quoi? C'est du beverage. Ah, il y a moyen. Il y a moyen qu'on puisse lui filer une préparation de Solomon là pour booster son Winter. On essaiera. Du coup, ça doit pouvoir nous faire monter à 11 ou 12. Hein. Mais là, c'est du Sky, pas de bol. Ok. On devrait pouvoir ouvrir au moins 2 salles, si ce n'est 3 demain. Parfait. Tu lui avais déjà donné, me semble-t-il. Ouais, ça me dit quelque chose. Je pense que c'est pour ça que je l'ai mis à la cuisine. Je suis quasiment sûr que j'ai déjà essayé. On peut aussi lui filer une courge. Maintenant, on a notre super truc, là. D'ailleurs, maintenant, on est à Summer. Hein. Faudrait qu'on ramasse un petit peu de légumes. On essaiera de ramasser un peu de légumes demain. Demain, on ouvre des salles et on ramasse des légumes. Voilà. Là, on a préparé notre tasse. Alors, il faut que je mette le souvenir de côté pour la nuit. Hop, c'est bien lui, hein. 2 de Grail, c'est ça. Tac. Et on est pas mal. Et là, on apprend...
Orchidée et narcotique. J'adore la. Oui, alors moi je sais faire des orchidées et des narcotiques aussi au passage, parce que pourquoi pas. D'ailleurs, on aurait aussi pu faire des plantes Anuma, quoi, mais pff, tellement de trucs, quoi. Donc là, c'est summer et automne. Ici, on pourrait faire des trucs. Là, on a gagné un peu de sous. Et on est bon pour la journée. Il y a combien de carrés potagers là? 4. Alors c'est parti. Donc ici, il faut qu'on mette du coup du nectar. Donc les seuls nectars qu'on a, c'est le health. Donc c'est parti. Sachant que on va peut-être essayer d'en avoir un là, donc on va garder celui à 2. Donc il nous faut un truc de type vert. Carotte, tomate, marrow and blessed onion. Je vois pas trop le rapport avec le teapot, mais admettons. Ah non, the stewpot, pardon, la soupe, oui, ça me paraît plus logique déjà. Parce que le coup de je mets de l'oignon dans mon thé, comment te dire? Alors ici, on va mettre ça et on va mettre un peu de thune pour voir ce qui traîne dans le coin. Ici, on récupère Mrs. Kyle, on va commencer à la travailler au corps. Pour avoir le 10 de Grail. Il nous faut des souvenirs. Alors déjà, on a un souvenir là, qui est prêt. Il nous faut un souvenir de type Winter. C'est parti. On a Wigwet. Ça, Winter 2. On va le lire avec, je pense, un chat là. On sait plus quoi en foutre de nos chats. Tu peux pas. Tu vas lire, chat. Travaille. Voilà. Hop. Donc là, on va être prêt pour Mrs. Kyle et Mr. Kyle. Et on va voir ce qu'on nous propose à la taverne. Ici, on peut mettre autre chose que du nectar. Non, on peut mettre que du nectar. Il nous faudrait presque plus de. J'aurais limite presque. Ouais, si, quand même, niveau 2. J'aurais pu ne pas le fusionner, lui, mais. Et on est cloudy, c'est de la daube, pas de souci. Alors. Mrs. Kyle. Bon, on va demander à Mr. Kyle de rejoindre l'équipe aussi. Et là, on papote autour d'une fourchette et d'un couteau. Alors, je sais même pas si on peut réellement faire 3 personnes dans une seule journée. Ah, si, on a déjà fait, je crois. Donc, c'est faisable. Si on a un bon tirage là. Donc après elle, on discute avec REP++. Lui fait une tasse de thé et elle sera bon. Enfin, de chocolat. C'est le chocolat, ça. Ouais, c'est le chocolat, ça. Il nous en reste d'ailleurs ou il a été totalement consommé? Il nous en reste un peu. Il nous en reste une tasse. Vas-y, reviens. C'est parti. Le chat est en train de vouloir descendre maintenant. Voilà. On va avoir fait des cri-cris pour grimper. Bien sûr qu'il boude, c'est un chat. C'est évident. C'est lui qui va se d'autre. Ah, là c'est fini. Ici, on générait un souvenir. De type Winter, oui, pour notre ami. Et donc, on a un poète qui m'a pas l'air particulièrement intéressant. Winter, Moss and Sky. Et nous, on veut, je crois que c'est du Scale et du Nectar. Ouais. C'est même pas Moon qu'il a. Donc, non, ça nous intéresse pas. On va le laisser repartir probablement.
Donc, elle, elle est à 8. Et on va lui faire du chocolat, c'est le plus simple. Hein. Parce qu'après, on pourra lui donner des outils, mais c'est que 1 les outils, donc. En tout cas, on a ça qui est de type grêle, ouais, c'est 1. Tout ce qu'il y a. Je regarde là, bah sinon il y a les poupées, mais les poupées c'est usage unique. Il y a le chat, mais le chat c'est pas un outil, donc on peut pas lui donner. Voilà, dès qu'elle a fini avec ça, on va pouvoir y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré ici? Un sac de vegetables. C'est super, que je m'en fous. T'as du loup? Bah ouais, tu crois? Ah oui. Et l'autre, pareil, j'imagine. Ok, très bien. Il y a pas le, il y avait pas le, le petit symbole de colis comme quoi il peut s'ouvrir, donc j'étais pas sûr qu'on pouvait l'ouvrir, mais on va l'ouvrir. L'ouvrir avec un metal, par exemple. Ah, on peut choisir. Ok. Lix, onion, pumpkin, potatoes ou mao. Alors super, mais ok, mais pourquoi? Mais comment? Mais qu'est-ce? Alors le maro c'était un peu de winter, je crois. Alors pumpkin. Pumpkin, c'est herbe et nectar. Le maro, c'est nectar 2, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on a des tomates? Golden maro? Ok. On pourrait peut-être faire des tomates pour voir ce que ça donne. On va essayer pour des tomates. Pourquoi des tomates? Des potatoes? Il n'y a pas du tout de tomates, j'ai absolument pas de tomates. Potatoes. Spectacular! Pas go, allez hop. Allons-y pour des spectaculaires potatoes. Potatoes, ok. C'est de la merde. C'est de la merde. On va les poser là, voilà. Très bien. Et alors l'autre du coup. Qu'est-ce qu'on connaîtrait pas? L'oignon, on connaît pas l'X non plus, ça me dit rien. Mais je prends la l'X. Alors, toi, t'es prête. Donc tu nous ouvrais, on a dit ici, hein. Ouais. Infestise wine cellar. Ouais, ouais, mais elle est utile pour ça, elle. Et du coup, on va commencer à papoter avec lui. Donc on a dit qu'on voulait du winter avec lui. C'est parti. Lix. Ah, c'est des poireaux, Lix. D'accord, je savais pas. Ok. Ah, ça ressemble à des poireaux en tout cas. Des poireaux, parfait. Est-ce que je peux les poser quelque part là? Ah, il y a une place là. Non, tu... Putain, la vache, c'est si gros que ça? Vache. Ok. Un peu de place sur la table là. Ok, ça peut, c'est bon. Ça, c'est hyper gros, mais on peut le poser. Très bien. Deux de nectar. Bah écoutez, si on chope un mec intéressant là, on pourra lui faire des poireaux. Bon, c'est pas inintéressant hein, de faire ça, mine de rien. Et du coup, peut-être que si j'avais fait ça là, j'aurais pu avoir des tomates. On verra demain. On verra demain, est-ce que j'ai besoin... de garder ça du coup, bah du coup non. Par contre je pourrais m'en servir pour monter de niveau mes trucs là. Est-ce que j'ai un souvenir de type moon? Ok non, il faudrait que je génère des souvenirs de type nectar. Juste pour faire les leçons. Ou de type grail. Deux souvenirs de type grail, allez histoire de se débarrasser de ça. Heart and Sky, Moss and Nectar, donc Nectar ça marcherait. C'est parti, on va mettre Shaft. Hop.
Donc celui-là c'est bon, et là il faut bah, un fear, ça sera très bien un fear. On va le lire avec un Srist. Srist c'est Moon et Moss, c'est bon, pas besoin. Et du coup, bah, je ferais bien des petites fleurs. Si Blessed Pier in Summer and Autumn. Allez, c'est parti. Hop. Et hop. On va faire des petites fleurs pour voir un petit peu. Parce que ça, mine de rien, ça pourrait nous être utile avec, on a vu. Pour crafter des trucs, il nous faut les feuilles correspondantes. Donc là, on ouvre cette pièce. Et on ouvre ce deuxième escalier qui sera peut-être plus simple que lui là. Puis là, ça a l'air d'être un magnifique cellier. Il y a des trucs à passer le vin et tout. Et là, ça a l'air d'être de la bouffe encore. Alors, toi. Ah, mais non, mais il revient. Il faut qu'on discute de nos regrets ensemble. Et du bon vieux temps. Par contre, j'ai l'impression que c'est ma dernière préparation de Salomon. Non, il y en a encore deux là. Okay, c'est bon. Ça, c'est pas de l'encre, ça? Non. C'est du fuel. Parfait. Alors, ça, c'est le bruit de la salle qu'on ouvre. Excellent. On va ouvrir le cellier. Alors, on a une bougie. On a du whisky de qualité, très bien, plein de bouteilles, et des packages à ouvrir, ok. Très bien, donc là on a ouvert 11 de moon ou 11 de scale, waouh la vache, ça pique. Ah puis c'est marrant, c'est le symbole de Dawn, ça. Ça c'est Baroniel Period, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait les symboles de la période. Mais ouais, Dawn, là... ça commence à être cher, là. En plus, c'est des compétences qu'on n'a pas. Hein. Moon et Skell, il n'y a aucun de nos personnages qui l'ont. Donc on part soit de zéro, soit il faut vraiment trouver quelqu'un à la taverne qui fait le taf. Donc on te donne ça. Hop, tu passes à 11. Et là, on a nos souvenirs... Alors, on ouvrira les paquets quand Chobiti sera revenu. Du coup, ici. On prend ça, on prend ça, on prend ça. Et il nous faut Chor. C'est parti. Et pour toi, il nous faudra un scale. On n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas ce qu'il faut. Puisque Chor on l'a cramé, les Ereb on l'a cramé, tous les Elves on les a cramés. On peut se faire une petite sieste avec un verre d'eau. Hop, serre le verre d'eau, ça prend 3 secondes. Et on va reposer un Elves. Et pendant qu'on y est, je me demande si j'irai pas chercher de l'eau de nouveau. Par contre, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ouais, non, il faut un truc de type Earth. Donc, du coup, ça ne sert à rien. Pour le moment, ça ne sert à rien. On n'a pas trouvé de livre, là. J'espère qu'on trouvera quelques livres à cataloguer, là-haut. Glaring Room. Ah, y a moyen. Y a moyen. Alors aussi, ah c'est des poires. Hein. Ah oui, j'avais pas du tout percuté. On a ramassé des poires. Ok. Bah, ouvre-la bien. Ouvre-la couvert en vegetable, comme on dit. Des livres dans une cave. Bah écoute, on sait pas bien ce qu'ils en ont foutu, hein, tu sais. Tout est possible. Hein.
Là, il y a plus de chances, je t'accorde, qu'on trouve des livres dans cette pièce que dans la cave. Je dirais pas le contraire. Là, on est passé niveau 2, nickel. Donc, il va falloir qu'on attende un peu. On a trop de trucs, on va aller travailler. On va travailler avec un chape, par exemple. Hop. Voilà, je vérifie tout à l'heure. Alors, notre sieste, elle en est où? À la moitié. Sky level 9. Mr. K, il est Sky 1. Ah, il faut qu'on fasse le souvenir à 4 de Sky là. Le forgeron, il commence à 2 en forge et en edge. En forge, on a 3, en edge, on a que 2, je crois. Ouais. RM, il est de type edge, on a 3 aussi en edge, donc ouais. Kiff, on va dire, mais 9. Beaucoup 9, hein. Qu'est-ce qui se passe? T'as ouvert ta pièce, c'est ça? Voilà. Voilà, là, il y a des petits trucs là. Ah, on a un buste. William Harris. On a plein de livres. On a une plume. Je pensais que j'aurais dû ouvrir ça, tiens. Je vais ouvrir avec Faust. Un bambou en pot, ok. Une snake plant. Plante au serpent. Une orchidée rose, un palmier. Intéressant comme pièce. Ça c'est rien. C'est pas un hôtel, hein. Il n'y a que des chaises. Ok, il va falloir qu'on lise le buste, mais avant on va aller mettre ça dans notre zone de lecture. On vous pose sur la table et le dernier, on récupère. Ça et ça. Voilà, on a de quoi cataloguer un peu comme ça. Et on a terminé un autre truc. Ah oui, on a reposé ça. Ok, donc on va pouvoir faire notre compétence dès qu'on aura ouvert notre package. Elle est quand même ouf, hein, la baraque. Hein. C'est quand même un sacré truc. Le petit drapeau en haut. Alors, vu où il était, je pense que ça va être un prêtre plutôt que qu'un libraire, mais. Sait-on jamais, on va l'étudier quand même. On l'étudiera demain matin parce qu'au pire, ça nous générera un souvenir qui pourra peut-être servir dans la journée. Le site là. Alors, on a trouvé de la peinture. Ok, c'est pour le moment en tout cas totalement inutile. Pas encore trouvé à quoi ça pourra nous servir la peinture. On a plein, hein. On en a plein et c'est un truc de type pigment, donc peut-être qu'on pourra faire des tableaux ou on trouvera peut-être un chevalet à un moment, je sais pas. Du coup, on va pouvoir apprendre notre niveau 2 de leçon. Tac tac tac, c'est parti. Et avec ce qui nous reste, vu qu'il est déjà pas tôt, on va cataloguer, je pense, quelques livres. Donc il nous reste tout ça. On va cataloguer avec Chapt ici. Avec un Metal ici. Ça prend que 30 secondes, donc ça devrait le faire d'ici demain matin. Ici, on va cataloguer avec un Thrist.
On est d'accord. Et toi, t'es de type rose et mauve, donc on peut cataloguer en haut, je crois. Ici. Ça. C'est parti. C'est parti, on catalogue. Et on boit un coup. Pour autant de rester hydraté. Bon, tant qu'à faire, on va ranger ce truc, ça fera une pop-up en moins. Je crois que ça, je le mettais plus ou moins dans le labo, mais c'est pas vraiment le meilleur endroit. Oula, tu lags? Je peux le poser là. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Hop, et on a tout terminé avant la nuit. Alors, ça, c'est quel niveau 10? Ah, et c'est le langage qu'on connaît pas. Donc celui-là, on peut rien en faire. Ah, lui, il est infesté. Ah là là, Witchworm encore. Ok, donc il faut qu'on le foute avec les livres infestés tout de suite avant qu'il répande ses trucs. Voilà. Foi. T'es écrit en vac. Ça va devenir intéressant qu'on cherche un moyen d'apprendre le vac, hein. Et toi, t'es écrit en sabazine. Ok. Et bah, on n'est pas sur des bouquins faciles à lire là. Hein. Bah, du coup, on va les ranger avec les bouquins pas faciles à lire. Et là, on a monté ça. Nickel. Donc. Les langages inconnus sans prendre la place de skill. Oui, tout à fait. Alors on voit pas trop là derrière, mais normalement, tu vois, c'est skill and language là. Et on peut aussi mettre les languages dans l'arbre de la sagesse. D'ailleurs, je l'ai fait pour le Ramsun là. Je l'ai mis juste là, dans cette branche là. Par contre, je sais pas comment on fait. J'ai pas l'impression qu'on puisse les faire monter de niveau. Je pense qu'il y a moyen parce qu'à chaque fois ils disent oui, c'est juste les rudiments du langage pour pouvoir le lire. Donc il y a peut-être moyen de monter de niveau nos langages, mais quand on paye les gens, ils considèrent qu'on le connaît. Donc je sais pas si on peut les faire monter ou comment les faire monter. Mais effectivement, c'est des langages, donc ils vont dans cet endroit-là. Voilà, c'est le matin. Parfait. Alors on va tout de suite commencer à regarder ça avec un chat par exemple. Hop là, comme ça, on saura si on peut le ranger dans nos emplacements ou pas. On a pas mal des vides quand même, hein. C'est les emplacements des libraires, mais après c'est normal, les libraires c'est les derniers à être arrivés, donc ils doivent être dans les endroits un peu plus loin. Alors, on va aussi aller voir à la taverne si il y a moyen de potentiellement avoir un visiteur. Je pense que je vais regarder tous les jours pour essayer de trouver quelqu'un qui nous permet de gérer cet escalier-là. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre aujourd'hui? Là, on est sur des valeurs pas simples. Là aussi. Ça, c'est faisable. Le 9 de Hearth, il est totalement faisable avec Mrs. Kyle, là. Quand Hearth, on a au moins deux. Enfin, c'est pas tant deux, hein, mais on a deux plus le pot qui nous fait un 1, le bol là, des petits trucs à bouffer, une petite boisson peut-être même. Le cocoa, il est de type Earth, mais de type Earth 1, ouais, c'est pas ouf. Peut-être trouver un truc. Ah bah la flotte elle est de type Earth, donc ouais la flotte très bien. Ouais on peut monter à 9 je pense. On va aller chercher Mrs. Kyle. Et là-haut il nous faudrait 11. Hein? 11. 11, 11, 11. Tendu 11 quand même. 11 de Sky,
11 de forge. Alors le forge. Le smithy commence à 2. On a 3 de forge, plus 5, 6, 7. 7, 7, 7. Est-ce qu'on a des trucs à donner à bouffer ou autre? Un petit peu. Alors on peut lui donner du métal en plus à lui. Donc ça pourrait valoir le coup. Un peu de métal. Là on a du thé qui est de type forge. Du café qui est de type forge. On va préparer un café. J'ai pas préparé de café là-dedans. Sérieux? Ou je prépare ici? Et bon, on va préparer un café ici. Alors, qu'est-ce que je peux mettre comme skill là? N'importe quoi. Et ben, vendu pour un chapt. On va préparer du café et on va aller embaucher le monsieur, je pense, de forgeron pour la journée aussi. Alors, on peut l'embaucher avec un chore. Allez, avec un chore. Et il faut que je foute un shilling. Et on a Sony. Ah bah, qui me donne du Skype. Mais bon, c'est pas grave. Et ça, c'est quoi? Ah, un livre. Ouh, il est 4. Par contre, 8 de Sky, c'est faisable. En plus, on peut le lire. Il parle de Sacralimae. Il est pas infesté. Ouais, je prends. Alors, on va commencer par lui. Étant donné que lui nous a coûté des sous, il faut absolument qu'on le fasse aujourd'hui. Et il nous faut des souvenirs. Alors, il nous faut un souvenir de type Forge et un souvenir de type Earth. Forge 2. Earth 2, déjà, ça c'est pas mal. Earth 2, on va le lire avec ce metal. Et un Forge. Forge 1. Bon, je suis quasiment sûr qu'on a du Forge 2, non? On a peut-être pas de Forge 2. Forge 1. Forge 2, parfait. Forge 2, on va te lire avec un waste. C'est parti. Mange-toi, toi. Bon, bah ça va encore être une journée d'ouverture de salle, si on peut. Alors, c'est le buste de qui? Ah bah si, le sixième libraire, le sixième bibliothécaire, prêtre et nictodromiste. Eh, c'est un nictodromiste. Eh bah, ok. Alors, le sixième libraire. Third, eighth, sixth. Celui qui a ramené une clé qui avait été perdue. Sa fin a toujours été obscure. Eh bah, écoute... pas le rapport avec la clé qui a été perdue, mais admettons. Admettons. Et là, le Kofi... ah, il donne que 1 de forge. Dommage. Dommage. Et si j'en fais un autre... l'autre Kofi, du coup. Là, c'était ce Kofi-là. Il y a celui-là qui est de type forge aussi. Il est peut-être plus fort. On sait jamais. On sait jamais. On a pas mal claqué nos sprintia là. Sprintria, pardon. Du coup, on n'a pas encore le souvenir. On peut déjà utiliser l'outil. Je pense qu'en termes d'outils, on doit avoir des trucs là. De type forge. Ça c'est edge, ça c'est forge. 1. Forge 1. Merde. Bah, vendu pour un forge 1, ça sera toujours 1.
toute façon, les outils, c'est un, globalement. Sauf les trucs à usage unique. Ça va laisser le temps aux souvenirs de se faire comme ça. Et au café de se faire, accessoirement. Attends, on a plein de trucs. Il y a un peu de place sur cette table-là. Et on verra si on a besoin de lui donner... Je pense qu'on va avoir besoin de lui donner du wire copper. Est-ce qu'on pourrait pas commander du wire copper, d'ailleurs? Je crois que si. Ouais, voilà. Parfait. On va mettre une petite encre. Et on va commander du comme ça. C'est parti. Et on va le poster. Il faut combien de sous? 24. Voilà. Du coup, hop. En avant. Ah, on a un musicien ici. Très intéressant ça, parce que eux, ils sont très forts en nectar. Et ça, c'est du 1 de forge, pareil. Donc bon, c'est pareil, c'est kiff-kiff. On va en servir une tasse. Et du coup, lui, je pense qu'on va le recruter. Ouais, 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 on va le recruter. Carrément. Ça, on le repose sur la table, on peut pas? Il n'y a pas une petite place sur la table, là? Non? Sérieux? Bah là, du coup. Voilà. On va déjà travailler sur la forge. Là, on a posté notre truc. Très bien. Donc là, maintenant, il est level 6. On va lui filer la petite tasse. On a nos souvenirs. Et du coup, normalement, il commence à 4. On a 2, si on trouve un souvenir, on sera bon, un souvenir de nectar 2. Ah, je crois qu'on a que des nectars 1. Tac, tac, tac. Le couteau fait tool et nature 2. Hein? Tac tac tac, ce couteau là. Oh oui, bien vu, excellent, très très bien vu, merci beaucoup. Oh, donc pas un peu besoin de s'embêter. On va mettre un L, c'est un truc, il sera bon. Faut qu'on l'engage, d'abord faut qu'on l'engage, donc on va terminer le forgeron et après on l'engagera. On devrait avoir le temps dans la journée et éventuellement on boostera L, mais L comme c'est gratuit de l'engager, c'est moins grave. C'est quand même moins grave. Ok, donc on va pouvoir te mettre ton souvenir. T'as un 9. C'est pas assez 9, hein. 9, ça pourrait être assez pour ça. Mais nous, on vous laisse ça. Il manque 2. Donc, ouais, il faudra lui mettre du cuivre. Pour lui mettre du cuivre. On va récupérer le cuivre. Il va le consommer, donc... on va mettre ça. Donc ça veut dire encore une fois 30 secondes, puis une fois 30 secondes, puis ensuite on prend lui, 60 secondes pour faire les deux trucs. Ah, ça va être une belle journée, ouais. Plus 60 secondes pour ouvrir la pièce en plus. Hop. Hop. C'est parti. Alors, vu qu'on fait rien avec le reste... Il va falloir qu'on... On va cataloguer. Il nous reste un ou deux livres à cataloguer. Allez, c'est parti. On va cataloguer. Pas avec les Elves. Avec les Elves, on va essayer d'aller faire de la culture.
Les Rebs, on le garde. Toi, on voulait te faire du Hurt. Ok, donc on peut faire ça. C'est pas un souci. Le Else, plus, il faut qu'on le garde pour lui. Ce qui veut dire que si on veut faire du Hurt, il faut qu'on garde le Chorn. Donc on peut utiliser les deux Else à 1. Et donc les Whist nous servent à rien. Whist nous sert à rien aujourd'hui. Parfait. On va cataloguer ces deux trucs là. On va aller faire un peu de vegetable. On va essayer ce truc là, voir si on peut faire du. Faire des tomates, même si je pense que c'est pas vraiment lié. Ah si, normalement on pourrait faire des carottes, des tomates, genre de trucs. Alors est-ce que si je mets un skill beaucoup plus amélioré, enfin au maximum, là on a du 3, là on a du 4, donc là on est à 5. Allons-y pour un 5. Et on va faire un autre 5, un 4 du coup, un 4. C'est parti. Ensuite, ici, si je mets ça... On peut faire un peu de sous parce qu'on a claqué pas mal de thunes aujourd'hui. C'est une journée à dépenses, mais Chobiti n'est pas là, donc du coup on en profite. Allez, allez, 11 secondes. Après, il faudra 60 secondes pour ouvrir la salle, ça nous sera le temps de travailler lui au corps. Bon, après on est pété de thunes, hein, c'est pas la question. Hop là, ça c'est fait. Donc toi du coup, t'as 11, on va tout de suite te mettre ici, en avant. On a catalogué ça. Ouh, c'est 16, et en plus un langage qu'on peut pas lire. Mais il est pas infesté, c'est déjà pas mal. Et là, encore du vac. Duranwall. On sait pas les lire, on a plus de place. On n'a plus de place nulle part. Enfin, bah on va commencer à se reprendre là, tant pis. Du coup, toi, on t'embauche. Hop là. 5 secondes. Là, et du coup, on a dit, on lui met un petit else, et après on lui mettra le couteau, et il aura ce qu'il faut. Et alors de base, il commençait avec 4 de tout, hein, c'est ça, ouais. 4 en sky, 4 en rose, et 4 en nectar. Excellent. Ah, et il a l'introduction, tiens. J'avais pas fait gaffe. On peut se servir des gens qu'on trouve à la taverne pour ouvrir les bâtiments de la ville, si jamais au début. S'il y a besoin. Donc ici, on récupère notre petit bouquin qui est totalement faisable pour le coup. On va le mettre dans la pile des bouquins qui sont totalement faisables. Il faudra qu'on dépile les bouquins totalement faisables. Ça va être tendu pour travailler elle quand même. Là, il va nous falloir encore 30 secondes pour toi, plus le temps qu'il ouvre la pièce. Très bien vu, le 2 de nectar là, Lonmar, merci beaucoup. Alors, toi, il te reste encore la moitié, donc ça va se caler à peu près bien, on va pouvoir ouvrir là, 60 secondes. Et on cherchait à atteindre en plus une grosse valeur, je crois, 9 ou 11, 9. Ouais, on s'y mettra demain, je pense, on va pas s'emmerder. Ça, est-ce qu'on peut le garder pour la nuit? Oui, on gardera Storm pour la nuit. Ça, on sera prêt le demain, et demain on ouvre une pièce avec elle et on essaie de lire des livres. Dépiler un petit peu le bousin. Alors, on a ouvert la pièce. Donc ici, on récupère des vegetables.
Et ici, ah, on a récupéré du raisin direct. Ok, cool. Parfait. Est-ce qu'on peut serrer un peu les trucs là? Il y a toujours l'œuf qu'on n'a pas réussi à faire éclore. Et donc ça, faut qu'on l'ouvre. On va l'ouvrir avec un srist. Et du coup, on va prendre les oignons pour voir. Ah, et la salle est ouverte. Alors, ouf, on arrive aux cloches. C'est un instrument qui permet d'évoluer avec Itastri de type Forge et Sky, ok. Et c'est tout ce qu'il y a. Et en haut, on a un bureau, semblerait-il. Oh putain, 12 par contre. 12 de lanterne. 12 de lanterne? Ouais, 12 de lanterne. Il y a 2 de lanterne, le recteur. 12 de lanterne avec les bougies et tout, ça se fait, je pense. Ça peut se faire. Bon, pas tout de suite, mais ça peut se faire. Et donc toi... Bon, il me disait 10, mais parce que c'était si je réutilisais le couteau, mais je peux pas. Il est à 8, donc c'est parti. On ouvre l'escalier. On commence à descendre enfin. Et là, on a trouvé des oignons qui sont à 2 de nectar également. Ah, c'est pas mal. On a des possibilités avec le nectar, de plus en plus, là, avec les plantes. Par contre, on a absolument plus de place où foutre tout le bordel, quoi. Ah si, on a un étagère ici. Une étagère. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On n'a plus rien à cataloguer. Là, c'est pas fait encore. Est-ce qu'on tente de monter là? Ça m'embête parce que vu que je vais devoir claquer du consommable. Après, je claque de l'eau, c'est pas la mort, hein, mais. Ouais, non, je pense que non. Alors, on peut peut-être crafter des trucs. Par contre. Ouais, on doit pouvoir crafter des trucs. Ça, c'est du moon. Ça, c'est du rose. Ça, c'est du earth et du grail. Ce bureau-là, il faisait du rose? Non, il faisait du grail, lui. Le nouveau truc qu'on a débloqué. Forge, Sky. Rien qui colle. Ici, on peut faire du rose. Du coup, on a dit il y avait. Ah, mais on pourra pas mettre de lumière. Il nous fallait l'autel. L'autel de type rose, c'était celui-là. Il y avait une bougie qui allait bien dans la cuisine, je crois, hein, celle-ci. C'est pas ça. Alors, est-ce que ça serait un jeu de mots? If a trace a thing with a light. Peut-être que c'est un jeu de mots, il faudrait une encre de type rose. Est-ce que je peux le faire dormir pour la faire rester? Ah, il me manque deux. Ah, j'ai même pas fait gaffe, t'as raison, faut que je sois à 10. Oui, t'as raison. Je vais vérifier. Je pense pas que je puisse la faire dormir, elle. Parce que comme elle vit au village. Là, c'est type earth. Non, je peux pas la faire dormir, c'est ça. Elle vit au village, donc je peux pas la faire dormir. Il me manquait deux de roses. On pourrait générer un souvenir vite fait, hein. Juste pour voir. Alors, attends, on réessaye. Non, on est à 8 déjà, là. Donc, normalement, c'est 10 le niveau d'après. Donc, la bougie, elle mettait combien? Ah, mais pas de rose. Bah attends, c'est pas la bonne bougie alors. C'est pas celle que je pensais. Je me suis gouré de bougie. Elle était où l'autre bougie? Il y avait une bougie de type rose. Je me suis quasiment sûr de l'avoir vue. Elle était où? Ah, elle était là plutôt. C'est celle-là. Bon, elle fait que 1 par contre. Elle fait que 1.
Remembrance. On n'a pas de type rose. On pourrait mettre une memory. Il nous faudrait une memory. Du coup, là, là. Et si je mets la bougie, on est d'accord, il me manque un. Ouais, on est à 9. On est à 9. On va essayer de générer un souvenir vite fait, du coup. De type rose, parfait. Toi. Alors, pas avec fête. Il nous faudrait le lire avec toi, par exemple. C'est parti. Comme ça, on travaillera avec notre short. Ça nous fera 6 pence de plus. Et on va voir si on peut crafter un truc sympa. Lui, il est en train d'ouvrir. Hein. Oui, je me suis dit, merde, je l'ai oublié de le mettre. Mais si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On ouvre l'escalier. Par contre, je crois que c'est la seule qu'on a, donc une fois que ça sera fait, ça sera fini, quoi. Il va falloir qu'on apprenne à faire des bougies. Il me semble qu'on a un skill pour ça. On l'a peut-être pas débloqué encore. Et je crois qu'il y a un truc, il y a un skill pour fabriquer des bougies aussi. Alors, ça c'est fait. Ok. Un peu de sous, encore un peu de sous. La bougie, je la fous dans mon inventaire, comme ça, on s'arrête de s'embêter à aller dans tous les sens. Allez, avant la nuit, on a ouvert la pièce en bas, on va aller voir, juste, je lance ça. Est-ce que ça me donne quelque chose? Donc on met ça. On peut faire une icore aurorale. Eh bah go. On va voir ce que ça fait du coup. Il fait pas encore nuit. Donc là on a ouvert quoi? Ça m'a l'air un peu glauque. C'est en dessous le puits en même temps. Hein. Bah on a une méga bougie. De type rose du coup. De type plein d'autres trucs. On a des ossements d'animaux. Parfait. Et on a un petit outil de type moss. Et c'est tout. Ok, c'est le petit machin un peu pourrave. Et en dessous, il faut passer à 9 du coup. Mais on peut l'ouvrir avec du Hearth par contre. Ça c'est cool. 9 de Hearth, on va peut-être pouvoir aller par là du coup. Et débloquer un petit peu le sous-sol. Donc demain, on verra. Soit on ouvre là, soit on ouvre là. Mais là, ça nous apporte pas grand-chose. C'est encore un escalier avec potentiellement un placard et puis c'est tout quoi. On va attendre la nuit, on va sauvegarder notre souvenir. Voilà. Hop. Et on va arrêter du coup l'épisode de VOD là, sur la fin de journée. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. Je bois mon petit verre d'eau, ma petite gorgée d'eau. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !